tout le monde est prêt. Non, c'est pas prêt. À Montmartre. Prêt ? Partez ! T'as brûlé le départ. Je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde, aux grands et aux petits. Il y a des gens qui viennent de très loin, il y a des étrangers qui viennent du Danemark, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne, des Français de partout qui ont roulé la nuit, etc. Donc merci beaucoup d'être venus à ce rendez-vous pour cette deuxième édition de la Coupe de France de monocycle. Au nom de la municipalité, vous souhaitez la bienvenue à Valbonne. Donc j'espère vous apprécier le site sur lequel vous vous trouvez. C'est un beau parc, il s'y passe des manifestations sympathiques et importantes. Donc j'espère que vous y trouverez un cadre intéressant. Salut. Bon, moi aussi, je vais être assez court. Je voudrais juste dire que on a cette chance que finalement le monocycle c'est une discipline nouvelle et donc c'est à nous d'en faire ce qu'on veut. Et pour moi, ce qui est très important, c'est que même si on organise des compétitions, c'est vraiment, ce qu'a dit Antoine, c'est l'esprit bien avant les compétitions, qu'on reste un esprit monocycliste. On progresse les uns grâce aux autres, hein, car si on n'a pas d'adversaire, on ne progresse pas. Donc on a tous besoin les uns des autres pour évoluer, et je pense que c'est vraiment ça la couleur que je voulais donner à l'événement.
C'est un état d'esprit où on fait la fête et où... Je sais pas, c'est difficile de définir. Le mal, ouais. Couloir 4, Aube, ouais. Couloir 5, Jack, demi-finale 50 mètres un pied, et derrière 30 mètres au ultime. Allez, la cul! 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 Allez, Je viens de faire une finale de 50 mètres un pied. Je suis arrivé premier, mon frère deuxième et Baptiste troisième. Alors ça fait un podium cyclope. T'es content? Ouais, très content. Ton mono il est passé juste sur la ligne, mais comme t'es plus Baptiste, parfait. Hola, me llamo Carlos, vengo de Madrid y hemos venido aquí a la French Cup a ganar a todos los franceses. Yo me llamo Alberto Álvarez, soy de Barcelona. Catalán, catalán, catalán. Y también soy catalán, un parro mica catalán si voleu. Es el primer día en Ibiza, me encanta estar aquí. Es muy bonito, muy bien, pero mi francés no pasa bien. It was difficult for me to follow you, you know, and rattraper, comment tu dis rattraper, to play, to catch. Hey, I think we have the same time. No. No. Voir qu'il a des grandes jambes. Qui c'est qui est arrivé premier là? You are the first. Oui, Alexis. Bah, je viens de remporter la première étape du 100 mètres. J'espère la gagner parce que l'année dernière j'ai déjà gagné le 400 mètres. Mais je suis tombé au 100 mètres en demi-finale, donc j'espère rattraper mon erreur. Et t'es dans quelle équipe? Je suis dans la Baume à Noir, comme les trois deux autres sélectionnés. Ah, je vais tous les avoir. Troisième à la finale 100 mètres féminine, ce qui est déjà pas mal. La situation a beaucoup plus contrôle, les choses se sont placées, les gens sont... Ça vous dormirez ou manger.
Et donc voilà, donc aujourd'hui on va un petit peu profiter quand même un petit peu plus de la journée, parce que hier c'était enfin, pour moi l'enfer. Voilà. Ok, il est 2h37, la complète commence et finira donc à 5h37. Parce que là j'ai perdu le championnat, là, c'est sûr. Ouais, tu vas en bas. Mais c'est juste un truc. C'est trop dur pour les filles. Pas pour les filles, mais pour les gens de notre niveau, c'est trop dur. Il y a Hélène, elle y arrive. Il y a des filles qui peuvent y arriver, il n'y a pas beaucoup de filles, c'est sûr. Mais après, faut se lancer parce que c'est un monde qui est très masculin. Mais voilà, il faut développer les filles. On va les entraîner. Là. On va réussir au moins. Vous êtes dans quelle équipe hein? Lacune. Nantes. Non. Alors il faut quand même préciser que c'est Sylvia, donc n'a que 3 points de pronostic, donc je vais vous demander quand même de faire encore plus de bruit pour elle. J'en sais rien. On espère. On essaie d'éliminer les autres. On les élimine à coups de roue là. Et voilà. T'as la queue. Non, mais tu te trompes de gens. Mais c'est bien, ils sont crevés par le trial, donc on a peut-être une chance. Mais c'est quoi là? Mais de toute façon, le but est de s'amuser. Sur les 4x100 mètres. Alors, nous avons une bonne équipe. 3 filles. Margot, Lisa, Pauline. Et encore une fille. Et un garçon, malheureusement. Benoît. Oui, merci. Non, c'est la première fois qu'on participe au championnat. Et donc, on va voir ce que ça donne. On essaye un peu tout. Et vous êtes nouveau?
On est de Saint-Dié dans les Vosges, à mi-chemin entre Nancy et Strasbourg. Dans le tour, ça serait possible. Okay. Alors le volet, camarade. Attends, on attend que tout le monde soit là. Non, non, mais j'ai. C'est pas grave, t'as que ça à faire, t'expliquer s'il faut. Voilà, c'est comme donc, ça, tu t'ennuies pas. Entre les deux, voilà, c'est entre les deux lignes jaunes. On a tout ça. Entre les deux lignes jaunes. On peut avancer quoi. Non, mais donnez le volet. Bah oui, c'est à dire que le mec, il part. Moi je peux direct partir. Non. Mais si je vais doucement, je vais comme ça. Non, vous n'avez pas le droit. Arrive. Ça, vous avez le droit de prendre votre culot là-bas. Faut qu'il soit arrivé sur quelle ligne? La ligne jaune-orange. Jaune-orange, t'es sûr de ça? Ouais. T'as pas l'air d'être sûr de toi. Si. Si, et vous avez... C'est Michel qui me laisse. Vous avez le droit de prendre constater, vous avez de tout là, à partir de là. Michel? Non, c'est Michel. Enfin, je me suis planté, c'est là où ils peuvent partir. Michel? Oui, non, elle s'est trompée. C'est Michel? Non, mais elle s'est trompée, laissez-moi, je suis. Non! Bon. Prendre élan et passer témoin sur celui-là. Non, je prends de l'élan. Et dès qu'il tombe, il doit sur deux lignes. Votre camarade, il est là entre ces deux lignes, vous pouvez partir. D'accord. Et si, témoin, c'est entre les deux lignes. Donc mon stop départ. C'est dès qu'il est dans votre dans le petit couloir. Entre celle-là et jusqu'à là-bas. Jusqu'à là. Mais alors, le témoin, s'il tombe. Peut descendre du monocycle. Non. S'il tombe. Alors, les candidats, c'est jeune, orange, jeune, jeune, Attention à l'arrivée. Troisième cyclope, donc podium cyclope. C'était bien. Dur. Épuisant. Non, pas du tout. Je suis pas prêt. Non, maman, je te fais un petit peu. Non, encore. Je vais arriver.
Allez, allez, c'est bien, c'est bien. Allez, reste concentré. Allez, active. Menu. Attends, une petite bière, oui, c'est un parfait. Oui, je donnerai pour tout le monde. J'ai essayé de faire le deuxième tour, mais je souffre. C'est par où ? Ah, les grosses montées, les descentes ça allait. C'est 3, hein. Ouais, les montées. C'est 3ème. Ah ouais? Médaille de bronze. Enfin, un pouce. La classe. Ouais, 26. Qu'est-ce que c'est avec cet engin là? Regarde un peu. Hein? C'est plus fort sur les pédales. Et la côte en zigzag là, au deuxième tour, t'arrives à la montée? Non. Ça passe pas. Ouais, on va faire un gonfler les cuisses. 36 pouces. Ah, je vais regarder pour le coup. Dur ? Dur. Très dur. Je suis crevé. Vas-y. Ah, t'es chaud, loulou. 4,51. Ah. 34,21. Une bonne défense, c'est nécessaire. C'est des beaux paniers qu'il faut mettre, c'est des beaux paniers qu'il faut mettre. Voilà. Dites-nous merde, dites-nous merde. Voilà. Et puis, la bonne défense aussi.
faire une bonne défense, c'est faire une bonne défense, c'est nécessaire. C'est des compagnies qui font, thank you.
du CIV et qui va arriver à Saint-Philippe en ayant fait deux boucles. Non. Bon, à Dinan, l'année dernière, il y avait la grande côte et tout, ça a été très difficile. Il y avait les pavés, là, ça va être un peu plus roulant parce que ça va être essentiellement du goudron avec un peu de chemin au départ. La route est un peu mouillée, c'est un peu stressant, mais ça devrait être pas mal, ça devrait être sympa en tout. Demain, c'est éprouvant. Le monocycle, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de chaîne. Non, on va pas assez vite. On se fatigue trop, ça ne va plus. Ouais, mais j'ai des tics. Avis battu. Et voilà, oui, ça y est, arrivé. C'est dit bien. Pour une fois, Irène, première des filles, ouais. En coqueur aussi. Dernière, non mais Irène, je crois qu'elle a essayé de jouer fair play, elle est doucement easy, quoi. Promenade, quoi, tu vois. Non, j'ai tombé deux fois. It's very fair from you to let us win. Parce que j'ai ran into someone. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a un mono comme ça, et moi, je fais ça, et fou. C'est fantastique parce que c'est un sport qui est très méconnu, on ne s'imagine pas les efforts et je suis bien content donc au nom de la commune et avec Cyclope et Meilleur Écal d'avoir organisé cette Coupe de France parce que nous à Biot on aime bien les sports décalés. Le monocycle fait partie de ces sports méconnus mais très attachants et par l'esprit, il y a un esprit de compétition mais surtout un esprit de fraternité et quand même un gros effort sportif. Qui au crash 20 pouces arrive deuxième. Suivi directement derrière par les individuels juniors et les
Bastion, Lisa Barge et Margot Brouillard. Christian and Jesper. Et Jasper. Vous avez de la musique. Where do you come from? Danemark. Danemark. Et en première position, donc placé dans le championnat, Christian Kommer et Jasper Andersen, qui viennent du Danemark. En 6e, Adrien Detroit, en 5e, Thomas Petrato, en 4e, Johan Legras. Et pour le podium, nous avons 3e place, Guillaume Mar. En 2e position, Dimitri Gaillot.
C'est un vase aussi. Un flacon, pardon. Moi je suis nul. Mais je revendique quand même. Un parfum. Je le crois pas. Devinez. Devinez pour qui? Pour Anne-Sophie.
de l'émotion dans la voix, remercier la personne sans qui toute cette fête n'aurait certainement pas pu se dérouler aussi bien, c'est Muriel. Deuxième championnat de France de monocycle. Nous sommes ravis d'avoir reçu à Valbonne. C'est vrai qu'au départ, quand on m'a parlé de ce club de monocycle, je pensais que c'était des bus illuminés, qu'ils étaient que 3 ou 4. Et puis finalement, non, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines d'adeptes. Donc bravo pour l'organisation de cette manifestation que nous sommes fiers d'avoir accueillie à Valbonne. J'arrête pas, plein de boulot. Plus pire que la retraite. Je travaille plus à la retraite qu'à professionnellement. Après, prenez là-bas. Qu'est-ce que c'est comme sandwich ? Jambon, pâté. Et après, il est sur les chouchous. Alors là, c'est bien. Je vais les prendre alors. Après, il n'y a plus de ça. Il ne faut pas exagérer. Chiffon, tu as donné ton ticket ? Bon, tant pis, mais on aura plus de sexe. C'est le dernier, là. Après, c'est fini. En particulier, tout ce qui est, comment dire, chronométrage, enfin, relevé de course. On est en train de noter les numéros de série. C'est sophistiqué. Ah, et puis là, je peux en redescendre les scores. S'il y a des équipes qui ne me plaisent pas, je baisse les points. J'enlève des points. Donc moi, je mets que des points à Olema, l'équipe d'Olema. Mais il n'y a pas papier chiotte dans les chiottes des femmes. Ça nous préoccupe autant. Il y avait un problème de poignée dans les WC aussi. Voilà, vous déconnez les mecs. Pour moi, c'est l'histoire de poignée dans les chiottes. Mais il y a tout l'air de tri à la démontée. Il y a tout l'air de tri à la démontée. Il y a un problème de clé, là. On a un problème de clé. Appelle Muriel. Il dépasse maintenant.
trop petit. Thank you.